Each discovery confirmed Faubert's suspicions. How could the daily activities of a copper mine require such a sophisticated medical facility? Animals were treated without any dignity. Their value was limited to their usefulness, like a test tube or a syringe. Research on mistonite
had at one point focused on its effects on the human brain. It was observed, for example, that a longer exposure led to an increase in brain activity. Subjects were isolated from the interviewers. Were they wary of contagion? In any case, with all this surveillance equipment, they were sure not to miss anything. Interrogation rooms were more like an asylum cell than an administrative office. Quelqu'un? C'est qui? Vous n'êtes pas de la HMC? Ça veut dire que vous pouvez m'aider. Faites-moi sortir. Des questions sur quoi? Je m'appelle Thomas Matouche. Je suis mécanicien machiniste à l'entretien. Un des responsables. C'est à cause du chien de garde de Hamilton. Stephen Mark. Lui et son équipe de sécurité.
pense qu'il y a un coup qui se prépare contre la compagnie. Et comme d'habitude, on soupçonne l'Indien. S'apprête à m'interroger. Ah, bonne. On serait deux cadavres. Imaginez-vous toute la poussière toxique qu'il y aurait dans l'air. N'importe qui a un cerveau serait à des kilomètres d'ici. C'est pas ce que j'ai dit, mais je vous connais pas. Vous êtes pas de la HMC, c'est un départ. Mais j'ai pas de raison de vous faire confiance. Moi, je suis juste mécano. Je peux pas vous dire sur quoi ils travaillent, mais je peux vous dire ce que ça fait à l'environnement. L'air est corrompu. C'est clair. L'eau aussi. Il y a du monde qui tombe malade. Puis je vous parle pas de ce que la mine fait au milieu naturel. Parlez aux autres employés. Restez subtil, mais vous allez voir. Je suis pas le seul qui est pas à l'aise avec ce qui se fait ici. Sinon, si vous voulez vraiment savoir, allez dans l'aile recherche et développement. C'est là que tout se passe. L'aile E, oubliez ça, tout est barré. C'est une forteresse. C'est juste les boss qui ont une carte d'accès. Je sais peut-être où en trouver une. Je peux vous l'indiquer. Mais en échange, je veux que vous m'apportiez les dossiers d'enquête sur moi et sur Pierre-Marc Corbeau, C-O-R-B-O. Vous allez les trouver dans l'entrepôt des R&D, aux ressources humaines. Nos numéros d'employés, c'est 252 et 215. Bye. Like Carl, all of the test subjects exposed to the broom appeared to see creatures, but each one was different, unique, as if this mysterious fog would bring each person their own nightmare. There's someone on that screen, but that was the problem. He wasn't anywhere else. D'ouvrir. Faites-moi sortir d'ici. Ça veut dire quoi, ma cellule est vide? C'est assez clair que je suis ici, non? Je m'appelle Thomas Matouche. Je suis mécanicien machiniste à l'entretien. Un des responsables. Oui? Bye. Carl had suffered many broom-induced delusions, yet this one left him with a different feeling, like a dream that felt hauntingly real when you emerged from it.
basement appeared to be completely flooded. He had to find a way out. It would be very risky, but there should be a few spaces where he could catch his breath. Didn't get rid of this toxic smoke, he was sure to die. He had to go back to the control panel.
conveyor refused to move, like a stubborn mule. Carl wondered if he could attempt some repairs. The conveyor had started up again, and its belt led to an unknown location. Perhaps to an unexplored section of the laboratory?
With a wavering heart, Faubert arrived at the meteor. This immense interstellar object had smashed against the Earth billions of years earlier in the recent history of the cosmos. The sight gave the detective a strange sense of calm, one of those that one feels right before the thunder or under a sky full of stars. For such a secure location, the entrance to this tunnel seemed unusually easy to access.